Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta semaine se termine bien et que ton week-end soit vraiment béni dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là encore dans le cadre de cette série de vidéos sur le mariage et comme je l'avais promis, aujourd'hui c'est pour prier pour tous les foyers. Donc si tu es connecté à moi, tu vas prier avec moi. Si tu me prends en cours, il faut continuer à prier moi, ou après même la vidéo, si tu tombes sur cette vidéo, soit parce que tu l'as reçue ou bien là, par hasard, alors je te prie de te disposer avec moi pour qu'ensemble nous puissions prier pour tous les foyers, pour tous les couples. Alléluia. Nous allons donc prier le Seigneur et je vais chanter ce chant pour rendre grâce à Dieu. Adorons Dieu, Alléluia. Adorons Dieu, Amen. Adorons Dieu, Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia, bénissons Dieu, Amen. Il est bon, son amour est infini, Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, sa bonté est infinie, Hosanna. Il est bon, sa bonté est infinie. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, sa bonté est infinie. Il est grand. Sa grandeur est infinie, Alléluia. Il est grand, sa grandeur est infinie. Il est grand, Jésus est grand. Il est grand, sa grandeur est infinie. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour rendre grâce à notre Dieu. Sa grandeur est infinie, sa bonté est infinie, son amour est infini. Disons-lui merci pour ce temps de prière qu'il permet en faveur des couples. Élevons la voix et prions dans le Seigneur dans le nom de Jésus. Oh mon Père et mon Roi, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu trois fois saint, je vais bénir ton nom ce jour. Je vais louer ton nom en ce moment. Je vais célébrer ton nom, te louer, te t'adorer, te magnifier, te rendre toute la gloire, toute la majesté et toute la louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu demeures Dieu d'éternité en éternité, Seigneur. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit ton semblable. Il n'y a point de Dieu qui soit ton égal. Il n'y a point de Dieu qui soit ton pareil dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es l'unique Dieu qui mérite d'être célébré, d'être acclamé, d'être magnifié, d'être glorifié, Seigneur. Oh Père, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation provenant de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de mon être entier.
en ce jour dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu accordes à chacun de nous de fléchir genoux maintenant et de crier à toi en faveur des foyers, en faveur des foyers, en faveur des mariages, au nom puissant de Jésus-Christ. Daigne étendre ta main de grâce sur ce temps de prière. Daigne le couvrir de ton sang pour le protéger contre toute autre distraction, au nom puissant de Christ. Et que maintenant même, où mes bien-aimés et moi, nous sommes en train de prier, oh Seigneur, préserve-nous de toute distraction, de tout vagabondage d'idées, mais que notre esprit soit connecté sur ton esprit, afin que ces requêtes que nous allons monter vers toi trouvent grâce à tes yeux et que l'exaucement soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce moment soit embrasé par le feu divin pour tourmenter tout autre esprit contraire à ta volonté, pour tourmenter tout autre esprit qui ne confesse pas ta Seigneur, qui soit neutralisé et bouté très loin de ce moment au nom puissant de Christ. Envoie ta puissance, envoie ta puissance. Envoie ta puissance, l'esprit des prières en chacun et en chacune de tous ceux qui sont là, qui sont connectés, qui me suivent maintenant, Père, que la puissance de la prière les embrasse totalement et qu'ensemble nous puissions prier et t'invoquer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, célébration à toi, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Prions Dieu et confions-lui tous les foyers en difficulté qui sont au bord de la rupture, au bord du divorce. Nous allons prier afin que la main de Dieu empêche la rupture, afin que la main de Dieu empêche les divorces. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, Dieu puissant, je te confie ce matin tous les foyers en difficulté où, Seigneur, mon Père et mon Roi, ô Seigneur, ils sont au bord de la rupture. Ils ne s'entendent plus, Seigneur, mon Père et mon Roi. Ô Père éternel, le désordre est arrivé. La confiance est brisée, Seigneur. Ils sont au bord de la rupture. Ils sont au bord, Seigneur, du divorce. Père éternel, quand tu as uni, personne ne peut séparer. Quand tu as joint, personne ne peut séparer. Je prie donc, Père, que ces projets de divorce, ces projets de rupture soient vaincus au nom puissant, que tu restaures, que tu rétablisses ces foyers, Seigneur, mon Père et mon Roi. Oh, Macha, Karababa, Ragaba, Kaché, Keregegege, Ribabababa. Je prie ce matin, Seigneur, oh Dieu, que ta main de grâce, ta main de grâce, ta main de bénédiction repose sur ce couple et que la rupture n'ait point lieu, que le divorce n'ait point lieu. Mais Seigneur, mon Père et mon Roi, ramène les Seigneurs, mon Père et moi, à l'union, ô Seigneur, mon Père et mon Roi, et qu'ils puissent continuer à vivre ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. Nous refusons les ruptures. Nous refusons les divorces dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons les ruptures. Nous refusons les divorces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis. Père, glorifie-toi. Père, manifeste-toi. Père, interviens puissamment et agis dans toute ta gloire. Au nom suprême de notre Dieu, notre Roi, nous te célébrons et nous te disons merci parce que nous croyons que ces foyers sont rétablis, ces foyers sont restaurés. Seigneur, le divorce est vaincu, la rupture est vaincue au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu apporte la paix dans ces foyers, que Dieu apporte l'amour, que Dieu apporte l'harmonie, la joie dans tous ces foyers, afin qu'ils puissent vivre véritablement les jours des cieux dans leur foyer. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Machikiri Baba, Regegegege, Rubaba, Kachakara Baba, éternel roi de gloire, je te confie tous ces foyers. Apporte la paix. Tu es le prince de paix. Tu es le Dieu de paix. Jésus-Christ, tu as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Oh, tu dis, tu donnes ta paix, non pas comme les hommes la donnent. Seigneur, j'ai prié que ta paix, la véritable paix qui émane de toi, toi le prince de paix, toi Jéhovah Shalom, envoie ta paix dans tous les foyers, dans tous les couples, Seigneur mon Père et mon Roi. Afin que la paix soit dans ce foyer. Afin que la paix soit dans ce foyer. Et l'amour vrai qui émane de toi, l'amour du Seigneur, règne dans ce foyer. Règne dans ce foyer. Entre monsieur et madame. Entre madame et monsieur. Entre les parents et les enfants. Que règne la paix. La véritable paix, Seigneur, mon Père et moi. Et l'amour vrai. L'amour sincère. L'amour véritable. L'amour pur, Seigneur. Et que l'harmonie règne dans ce foyer. La joie règne dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Éternel roi de gloire. J'ai prié
prie que tu interviennes. Envoie ta paix. Envoie ta paix dans tous ces foyers. Envoie l'harmonie. Envoie la joie de vivre. Seigneur, mon Père et mon roi. Envoie l'amour. Que l'amour triomphe de tout. Que l'amour triomphe de tout. Que l'amour triomphe de tout. Dans tous ces foyers, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que je sais que tu l'as fait. À toi seul la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Prions le Seigneur et demandons que tous les foyers soient bénis financièrement et matériellement. À notre Dieu appartient l'or et l'argent. Là où il y a des difficultés financières, dans les couples où il y a des difficultés financières, que Dieu ouvre son bon trésor et pourvoie à tous égards. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre roi. Nous t'apportons, Seigneur, tous les foyers qui sont en difficulté financière, qui sont en difficulté matérielle. Père éternel, roi de gloire, depuis les enfants n'ont pas encore mis les pieds à l'école, Seigneur. La scolarité traîne encore, Seigneur. Et voici encore la fin de l'année avec ces fêtes. Père, ces couples ont besoin d'argent. Ces couples ont besoin d'argent. Mais l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le Dieu qui bénit. Et la Bible déclare que c'est ta bénédiction qui enrichit. Rien n'est suivi d'aucun chagrin. J'ai prié donc ce matin, Seigneur éternel. J'ai prié donc, Dieu de grâce, que tu bénisses ces foyers. Ouvre ton bon trésor et bénis-les financièrement. Bénis-les matériellement. Bénis leur travail. Bénis l'ouvrage de leurs mains. Bénis leur travail. Rends-les prospères. Bénis-les dans leur commerce, dans les activités libérales, dans les affaires, et rends-les prospères, afin que l'argent ne soit pas un obstacle, une entrave au bonheur de leur foyer. Ouvre ton bon trésor et bénis-les, et que l'argent ne manque point dans leur maison, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre roi. Tu es Dieu et tu demeures Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Ton nom est Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit. Ton nom est Jéhovah Jireh. Pourvois donc financièrement, pourvois donc matériellement à ses foyers, à ses coups, Seigneur, et que l'argent ne les manque point. Donne la capacité, Père, à faire face à leurs charges quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Bénis-les, bénis-les, bénis-les au-delà de tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Père et mon Roi, que la gloire et la louange te reviennent Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons prier le Seigneur et demander que Dieu se souvienne de tous les foyers qui sont en difficulté d'enfantement, des foyers où l'infertilité, où l'astérité règne véritablement. Et les bien-aimés ont besoin d'avoir un enfant. Mais depuis, il n'y a pas d'enfant. Nous allons confier ces foyers entre les mains du Seigneur. Que ce soit des jeunes foyers ou des vieux foyers, Père, nous allons demander afin que Dieu, qui a institué véritablement l'enfantement, parce qu'il a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds. Père, nous allons prier afin que Dieu restaure les entrailles, que Dieu touche les entrailles, que Dieu rend fertile les entrailles et ouvre les seins maternels pour leur accorder la grâce de pouvoir procréer. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Éternel roi de gloire, éternel Dieu puissant, ce matin, Père, je t'apporte tous les foyers qui ont des difficultés pour enfanter, qui ont des difficultés pour procréer. Seigneur, c'est pas normal, parce que quand tu as créé l'homme, quand tu as créé la femme, tu les as bénis. Et la première bénédiction que tu as prononcée sur eux, Seigneur, qui est une injonction, un impératif, qui est soyez féconds, remplissez, multipliez-vous, Seigneur, mon Père et mon roi. C'est une bénédiction, Seigneur, universelle. C'est quoi? Tous les êtres humains procréent, mais ces foyers ont des difficultés pour procréer. Seigneur, à cause de l'infertilité, à cause de l'astérité, oh, ta parole déclare que dans la maison de Dieu, en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Père, Seigneur, mon Père, c'est pourquoi maintenant, je maudis l'astérité dans ce foyer. Je maudis l'astérité dans ce foyer. Je maudis l'infertilité dans ce foyer. Et je combats leur pouvoir. Et je déclare sur ce foyer l'enfantement, Seigneur. Maintenant même, je déploie la puissance du Saint-Esprit dans ces entrailles pour les toucher, Seigneur, mon Père et mon Roi. Pour les rétablir, Seigneur, dans leur fonction originelle. Pour les rétablir dans leur fonction originelle. La fonction de la reproduction. La fonction de la procréation. La fonction de l'enfantement. Au nom puissant, que la puissance de la résurrection, l'esprit qui a reçu Jésus-Christ dans les membres, que cet esprit habite maintenant dans les entraves de ce couple pour apporter la vie, pour apporter la vie et la vie en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ma chaka, baba. Père, Seigneur, mon Père, c'est ta volonté que l'homme procure, c'est ta volonté que l'homme procure, c'est ta volonté l'enfantement, Seigneur. Alors, tous ces couples, touche leur vie et visite-les de façon particulière et qui rend témoignage de ta grâce et de ta compassion dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Père et mon Roi. Que la gloire
et la louange derrière, parce que ces couples sont bénis, leurs entrailles sont bénies, leurs entrailles sont ouvertes, ils enfantent, Seigneur mon Père, en abondance, selon qu'il est écrit, la stérile enfantera cette fois, cette parole, tout son accomplissement dans tous ces foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as fait, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons prier le Seigneur, et de nous confier véritablement tout cela, qui ont des projets de mariage qui sont bloqués. Oui, bien-aimé, tu veux te marier, mais ton mariage est bloqué. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça n'évolue plus. Les choses sont stagnantes. Ce n'est pas normal. Nous allons prier afin que Dieu ôte le blocage. Dieu enlève l'obstacle et que tu puisses véritablement entrer dans ton mariage. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, je t'apporte tous les couples qui veulent se marier, mais leur mariage est bloqué, Seigneur, mon Père et mon Roi. Leur mariage est bloqué, Seigneur, par une puissance démoniaque, ou alors Seigneur mon Père et mon Roi, par des personnes qui interfèrent et qui s'opposent d'une manière ou d'une autre. J'ai prié donc ce matin, Seigneur, que l'obstacle soit ôté au devant de ses bien-aimés et qu'ils puissent entrer dans leur mariage comme il se doit au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui as institué le mariage. Tu as dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors ces bien-aimés qui désirent entrer dans les liens sacrés du mariage sont dans ta volonté, Seigneur mon Père et mon Roi. Et parce qu'ils sont dans ta volonté, tout obstacle doit être levé devant eux. Tout obstacle doit être ôté devant eux. Tout obstacle doit être brisé devant eux. J'ai prié donc, Père, que les blocages soient brisés. Les blocages soient brisés. Les blocages soient brisés. Les blocages soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Libère ce couple. Libère ce couple. Libère ce couple. Débloque les moyens. Débloque les moyens. Est-ce un problème d'argent? Tu es le Dieu qui pourvoit. Donne les moyens afin qu'ils puissent entrer dans les lieux sacrés du mariage comme tu l'as ordonné au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Louange à toi, célébration à toi, magnificence à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu débloques ces situations. Béni sois-tu Seigneur, je sais que tu ouvres la porte du mariage devant ses bien-aimés. Et l'obstacle est levé, l'obstacle est ôté, l'obstacle est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, que la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous allons prier bien-aimés. Et nous allons confier tous ceux-là qui prient pour le mariage depuis, qui n'ont pas encore eu l'âme sœur, qui n'ont pas encore eu le fiancé, qui n'ont pas encore eu la fiancée, qui sont toujours en prière. À notre Dieu, rien n'est impossible. Oui, il est le cas, il est la solution des cas impossibles. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu puissant ouvre leurs yeux et qu'il apporte la sœur, qu'il présente le fiancé à la sœur, qui présente la fiancée au frère. Prions le Seigneur. Éternel, soutiens tous ces bien-aimés qui prient. Tout cela qui fléchit genoux, nuit et jour, à crier à toi pour qu'ils puissent véritablement rencontrer l'âme sœur. J'ai prié mon Père et mon Roi. J'ai prié pour tous ceux qui sont célibataires et qui désirent entrer dans les lieux sacrés du mariage, qui désirent rencontrer une âme sœur, qui désirent rencontrer l'homme de leur vie, qui désirent rencontrer la femme de leur vie. Père, conduis-les, dirige-les, oriente-les, Seigneur. Soutiens-les. Leurs prières, soutiens leurs prières, soutiens leurs prières, accompagne-les dans ces prières, accompagne-les, Seigneur mon Père, et du haut des cieux où tu sais, et tends une oreille attentive à leurs prières, et exauce, Seigneur, en amenant leurs frères, en amenant la sœur, afin que ces bien-aimés qui aspirent au mariage puissent entrer véritablement dans les liens sacrés du mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et tout ce qui était blocage, entre obstacle à cela, soit levé, soit brisé, soit détruit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton Saint-Nom, Père, agis puissamment. Père, manifeste-toi. Père, interviens et fais-leur voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père et mon Roi. Merci Dieu de grâce parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous allons prier le Seigneur et confier tout cela pendant que nous prions qu'ils sont en train d'organiser leur mariage. Oui, eux, ils sont en train d'organiser. Souvent, dans l'organisation, il y a les blocages. Il y a les esprits qui interfèrent, qui constituent entraves. Ils utilisent des personnes pour bloquer. Ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Ou alors, ils s'opposent farouchement pour que le mariage ou la cérémonie ne réussisse point. Mais nous allons prier afin que Dieu soit l'organisateur de tous ces mariages, de tous ces mariages qui ont lieu maintenant même, qui s'organise maintenant même que nous prions. Que Dieu véritablement organise lui-même ses mariages. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Oh Masha Kababa, Rababa Kacheke, Sheke Regegege, Ribabababa, Éternel mon Père et mon Roi, tu es Dieu et tu demeures Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je te confie tous ceux-là qui sont en train d'organiser leur mariage maintenant, qui font les réunions, Seigneur, qui sont à la recherche des moyens financiers et matériels, qui sont
dans la richesse, Seigneur, des parrains, des marraines. Père, je prie, éternel roi de gloire, que tu sois avec eux dans l'organisation. Toutes les personnes qui seront utilisées dans l'organisation, utilise-les puissamment, Seigneur, mon Père et moi. Et que personne ne soit un obstacle, une entrave, véritable, Seigneur, mon Père, à l'organisation de ce mal. Et que l'organisation soit parfaite, Seigneur, mon Père et moi. Et aide ces bien-aimés à entrer très bien dans leur foyer au nom puissant de Dieu. Je te confie toutes les organisations, Seigneur. Je te confie toutes les organisations, toutes les réunions. Dirige-les, conduis-les par ta puissance, Seigneur. Et aide ces bien-aimés à entrer bien dans leur foyer au nom puissant de Dieu. Et que ces mariages se déroulent dans de meilleures conditions, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur. Louange à toi, Éternel. Honneur à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, sois loué et adoré parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et prier pour les enfants dans ces foyers, des enfants récalcitrants, des enfants têtus, des enfants qui n'écoutent point les parents, qui font ce qu'ils veulent, oh, et qui font la tristesse des parents dans ces foyers. Ils sont véritablement une pierre d'achoppement pour leurs parents. Nous allons demander, Dieu est capable de briser leur cœur, Dieu est capable de les transformer, de les rendre dociles et soumis à leurs parents. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Roi. Je te confie ce matin, tous les enfants dans ces couples, les couples que tu as béni leurs entrailles. Tu leur as donné des enfants, mais des enfants récalcitrants, des enfants, Seigneur, mon Père et moi, têtus, des enfants qui n'écoutent point, qui sont turbulents et qui, à un moment donné, font la tristesse des parents. Je prie, Seigneur, mon Père et moi, dispose leur cœur, brise l'état de leur cœur. L'esprit qui agit ces enfants soit bouté de leur vie, soit chassé de leur vie et rend ces enfants-là sages. Rends-les sages, rends-les sages, rends-les sages, rends-les sages et docile, Seigneur, soumis à l'autorité parentale. Au nom puissant, brise l'état de leur cœur, brise l'état de leur esprit, brise l'état de leur intelligence et change-les, transforme-les, Seigneur. Amène-les véritablement à rencontrer Christ dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, éternel roi de gloire. Que la louange, que l'élévation te revienne dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous allons prier le Seigneur et confier tous ces foyers que je considère illégaux. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu encore de mariage. Nous allons prier pour ces foyers-là. Nous allons demander que Dieu aide ces couples-là véritablement à régulariser leur situation maritale et qu'ils entrent pleinement dans les lieux sacrés du mariage. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Père et notre Roi, tous ces couples qui vivent de façon illégale, Seigneur, mon Père et mon Roi, qui vivent ensemble depuis longtemps, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et il n'y a pas eu de dot derrière, il n'y a pas de, Seigneur, mon Père et mon Roi, un projet de mariage, c'est pas normal, Seigneur. J'ai prié que tu interviennes, j'ai prié que tu agis puissant, j'ai prié que tu disposes ce foyer, que tu disposes ce couple à entrer pleinement, Seigneur éternel, dans leur foyer, à entrer pleinement dans leur foyer, et que toi-même, tu les amènes, ô Seigneur, mon Père et moi, à se marier légalement, Seigneur, mon Père et moi, à se marier devant les autorités administratives et devant les autorités ecclésiastiques au nom puissant. Amène-les, Seigneur, moi, rétablis ce foyer, restaure ce foyer, Seigneur, mon Père et mon Roi, que ce foyer se régularise, Seigneur, devant ta face au nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêche cela soit brisé, tout ce qui s'oppose à cela soit brisé, tout ce qui empêche cela soit brisé et ôté au devant d'eux dans le nom puissant. Est-ce l'argent? Tu es le Dieu qui pourvoit. Ouvre ton bon trésor et bénis-les financièrement, afin que l'argent ne soit pas un obstacle, une entrave, Seigneur éternel, à l'organisation de leur mariage, à la restauration de leur mariage, à la régularisation de leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que la gloire et la louange te revient, Papa, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons prier ce matin afin que parmi les couples, que Dieu permette qu'il y ait le pardon mutuel. Oui, que l'amour prime. Souvent, c'est parce qu'on ne pardonne pas. On ne pardonne pas les fautes des autres que souvent, il y a le désordre dans les foyers. Nous allons prier afin que le pardon triomphe de toute difficulté dans ce foyer. Éternel roi de gloire, il y a de la puissance dans le pardon, Seigneur. Il y a de la puissance dans le pardon. C'est pourquoi tu as dit de prier pour ceux qui nous persécutent, Seigneur. Oh, et tu as dit de bénir ceux qui nous maudissent, éternel roi de gloire. Parce qu'il y a la puissance dans le pardon. Et tu as dit, Seigneur mon Dieu, dans la prière, Seigneur mon Père et mon Roi, que tu as montré, tu as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons que tu nous pardonnes, nous devons pardonner également ceux qui nous offensent, Seigneur mon Père et mon Roi. Et c'est le pardon qui a fait que tu as rétabli Job, Seigneur mon Père et mon Roi, dans sa position
du début, Seigneur, mon Père. Et tu lui as donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Oh, ma chakaba, papa. Ragaba, caché, kéregegege. Il y a la puissance dans le pardon. Que les couples, Seigneur, mon Père et moi, travaillent au pardon mutuel. Que les couples, Seigneur, mon Père et moi, travaillent au pardon mutuel. Que les couples, éternel, roi de gloire, travaillent au pardon mutuel. Au nom puissant de Dieu. Et que le pardon triomphe de toutes les fautes. Que le pardon triomphe de toutes les. Et que la repentance également, Seigneur, quand tu as commis une faute, demande pardon à l'autre. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, aie le courage de demander pardon à l'autre. Et que l'autre aussi accepte ton pardon. Parce que le pardon a une puissance. Le pardon a un pouvoir. Le pardon nous permet d'aller de l'avant. Seigneur, amène les couples à se pardonner mutuellement au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel. Que la gloire et la louange te reviennent, papa. Que l'élévation soit à toi, ce Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Nous allons prier. Et nous allons combattre maintenant, bien-aimés. Nous allons combattre les esprits de divorce, les esprits d'adultère, les esprits de stérilité. Oh Seigneur, et les esprits, Seigneur mon Dieu, de mésentente dans les foyers. Oui, nous allons. Je vous disais tantôt que le diable, il aime là où il n'y a pas là. Il aime là où il y a désordre. Parce que c'est là qu'il règne le mieux. Et c'est pourquoi il crée véritablement l'austérité qui crée un désordre après. Il crée les querelles inutiles. Il crée l'adultère. Il crée le divorce. Mais nous allons combattre cela. Parce que le diable est contre le foyer. Le diable n'aime pas l'union. Le diable n'accepte pas l'union. Nous allons combattre véritablement ces démons-là. Nous allons les chasser de ses coups. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang puissant de Jésus. Et je vais contre ces autorités maléfiques qui s'opposent véritablement au bonheur dans les foyers. Je vais contre l'esprit de divorce. Je vais contre ce démon de divorce. Je le paralyse au nom de Jésus. Je brise son pouvoir. Je détruis ses œufs. Je consume ses activités dans les foyers au nom puissant de Dieu. Ce démon de l'adultère, ce démon qui amène l'autre à ne pas être satisfait de son partenaire, à ne pas être satisfait de sa partenaire et qui le pousse, qui la pousse à commettre l'adultère. Je brise le pouvoir de ce démon. 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 J'ai détruit ses œuvres dans les foyers au nom puissant de Jésus. La stérilité, oh macha, kabababababa. Quand Dieu a créé l'homme, il dit soyez féconds, remplissez la terre. C'est pourquoi maintenant, je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité. Je brise son pouvoir. L'infertilité, je brise son pouvoir. Et les démons qui se cachent derrière la stérilité, qui se cachent derrière l'infertilité, appelés sirènes des eaux, femmes de nuit, mari de nuit, ce matin, au nom puissant, je les décapite en pièces. 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 Je les rends au tabac inopérant. Au nom suprême, et je les chasse loin, très loin de ses foyers, très loin de ses entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh ma baba. Je prends autorité sur l'esprit de discorde, de mésentente dans les foyers. Maintenant même, je brise leur pouvoir. Je brise leur pouvoir. Je brise leur pouvoir. Je brise leur pouvoir. Je détruis leurs œuvres dans le nom suprême de Jésus-Christ. Éternel roi de gloire, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui donne la victoire. Sois le bouclier de tous les foyers. Sois la forteresse de tous les foyers. Sois, Seigneur mon Père, moi, la tour forte de tous les foyers. Au nom puissant de Dieu. Et que lorsque le diable viendra contre eux, que l'Esprit de Dieu les mette en déroute au nom puissant de Dieu. Sois la sentinelle de ces foyers. Garde leurs maisons. Garde leurs foyers. Bénis leur vie. Soutiens-les à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi c'est la gloire. À toi c'est la louange. À toi c'est l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous allons déclarer sur les foyers. Déclaration du bonheur sur les foyers. La paix dans le foyer. La protection de Dieu sur les, la bénédiction financière et matérielle. L'enfantement. Et prier pour le succès des enfants. Nous allons déclarer. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare le bonheur dans tous les foyers. Je déclare le bonheur dans tous les foyers. Je déclare la bénédiction dans tous les foyers. Je déclare la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction psychologique. Je déclare cela sur tous les foyers au nom puissant de Dieu. Je déclare la paix de Dieu dans les foyers. Je déclare la paix de Dieu dans les foyers. Je déclare la paix de Dieu dans les foyers au nom puissant de Dieu. J'invoque la protection de Dieu. Je déclare la protection de Dieu. Je déclare la protection du Saint-Esprit. Je déclare la protection du sang de Jésus. Je déclare la protection du feu divin sur tous les foyers au nom puissant. De Jésus-Christ. Maintenant, mon Père, Seigneur, mon Père et mon Roi, oh, ma chakaba, baba. Je déclare la fertilité des entrailles, je déclare la fécondité des entrailles, je déclare l'enfantement sur tous les foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Et les enfants
sont sages. Les enfants sont délivrés. Les enfants sont sages. Je déclare le succès des enfants dans leurs études. Je déclare le succès de ces foyers. Je déclare le bonheur dans ces foyers. Je déclare la paix dans ce foyer. Je déclare la réussite dans ce foyer. Je déclare l'amour dans ce foyer. Je déclare le pardon dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Machakarabababa. Regegegegegege ou baba kashike rebebebe ramama mama o baba kashakara baba. Que tous les foyers soient bénis, 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 que tous les vies de coups soient bénis. Que là où il y avait problème, Seigneur, envoie la solution. Là où il y avait discorde, envoie l'entente. Là où il y avait mésentente, Seigneur, qu'il y ait réconciliation. J'ai pris et je déclare le bonheur, la joie, la grâce et la faveur de Dieu sur tous les foyers au nom puissant de Jésus de Nazareth. Machaka baba baba. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, et je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, je te bénirai